Nicole Akwaou incarne l'essence même de l'audace entrepreneuriale. Elle a une licence en négociation communication multimédia. Fiancée et mère d'une petite fille, elle a rapidement vu sa vocation se dessiner, l'entrepreneuriat. Depuis plus de 3 ans, elle a dirigé avec brio la boisselerie Lorraine, faisant de la menuiserie son art de prédilection. Déjà au début, je ne connaissais rien des bois, je ne connaissais absolument rien. J'ai pris un an et demi, pour connaître les bois. Parce que j'ai étudié comment la couleur, ça change dans le temps. Son parcours est un hymne à la détermination et à la persévérance. Nicole est à la tête d'une équipe de 2 hommes et 1 femme, jeunes talents passionnés, les formant sur le terrain même, dans une dynamique de transmission et d'émulation. Elle est une bonne chef, c'est une belle personne. Et puis, en tout cas, moi, je suis très fière d'être sous elle parce que elle est forte, elle est créative. Je travaille avec des gens qui ne sont pas trop dans le domaine. C'est à leur arrivée que je commence par les apprendre quoi faire, c'est comme ça on fait, tout ça. Donc c'est un peu compliqué pour moi au début. Je dois beaucoup parler, je dois avoir la patience. Au départ, incomprise par son cercle proche lors de ses premiers pas dans le monde entrepreneurial, Nicole a su conquérir les cœurs par sa vision novatrice, son travail acharné et sa détermination inébranlable. La majorité de tout ce que nous utilisons, si ce n'est pas de la vaisselle en terre cuite, tout, soit c'est du plastique, c'est des trucs importés. Mais qu'est-ce qu'il y a de chez nous? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons comme vaisselle en bois? Il n'y a pas. Donc c'est de là que je me suis dit, ok, je me lance dans la vaisselle en bois. C'est comme ça tout a commencé. Aujourd'hui, elle est unanimement saluée pour son engagement et son excellence dans le domaine de la menuiserie, tracé par son propre destin entrepreneurial. Au début, mon père, lui, il a accepté. Mais ma maman, non, laisse tomber. Elle a catégoriquement refusé. Elle voulait me voir dans un bureau. Sa fille s'habillait en veste le matin, voilà. Mais je lui ai dit, c'est pas moi ça, quoi. Bref, avec le temps, elle a accepté. Puis, elle est superviseure. Tout le monde est fier, tout le monde me soutient. Tout le monde me dit, waouh, tout le monde me dit, voilà, je t'encourage, vas-y. Fonce, ne lâche pas, c'est super ce que tu fais, je n'ai jamais vu ça, une femme fait ça et tout ça. Donc, c'est souvent les retours que j'ai.